Yon bâton campé deux couleuvres mari la donne dans toute sa gien pour avec la médecine. Figé bandé, balance nan main, gros couteau nan main dans toute sa gien pour avec doigt. Hein ou pas jamais mandé pour qui ça c'est symbole ça qui représente métier ça yo. Qui côté au sorti? Eh bien, je dis, on voit quelques symboles métiers qui surgissent chaque jour, mais on pas jamais demander pour qui ça, c'est yo qui là. En partie avec la médecine. En général, l'homme percepte. D'ailleurs, la Bible dit, c'est femme ça sa tenté point pour le déraver tenter l'homme. Mais, depuis l'homme n'a pas de problème, faut aller au médecin. Mais, sous toute clinique, sous tout l'hôpital, en général, nous, on bat ton campé avec deux serpents marés là, dans bien raide. Eh bien, là, on peut aller connaître pour qui ça, serpent ça, non, bâton ça, qui représente médecine. Déjà, pour médecine, n'a pas deux symboles. Gen ça, il y aurait le sept d'Hermès ou Caduce. Caduce a sorti dans mot latin caduceis qui veut dire bâton ou bien baguette. Et puis l'autre symbole là, c'est ça, il y aurait les baguettes d'Esculape ou bien bâton d'Asclepios. Qui côté yo sorti avec yo? Et puis ou ka jwenn tout ça qui c'est symbole pharmacie. On prend sept d'Hermès là ou bien Caduce. Déjà Hermès là c'est dieu grec, c'est dieu commerçant, dieu animal, dieu plante et dieu communication. Les jeunes bâtons Hermès là parti comme ça. Hermès qui c'est un dieu, c'est frère Apollon. Apollon en même, c'est dieu musique, art, poésie. Hermès ak Apollon t'es non ti bif pour une question bœuf. Pour te ka réconcilier, Hermès by Apollon yon instrument musique qui c'est un lyre, ça on a regardé. Et puis Apollon by Hermès yon bâton en or qui c'est caduce. Un jour, Hermès a fait un petit flâner avec bâton l'emmène. Monsieur rencontré deux couleuvres qui marient ensemble. Monsieur a les bâtons pour démêler les couleuvres et les couleuvres ça ont monté sous bâton et ont marié sous lit. Et depuis là, ça, symbole ça pas jamais quitté Hermès yon pas. Et bien, comme Hermès là, c'est dieu commerce, dieu de l'éloquence, et bien, en pile côté, yon pral utiliser bâton Hermès là, bâton qui a deux couleuvres qui marient sous lit. Dans la question commerce et dans la question communication. Et c'est pour ça qu'on peut jouer bâton Hermès ça sous chaque côté tribune Assemblée nationale en France. Qui c'est côté parlementaire à Baïkouzé. Donc, on voit bien là, symbole bâton avec des couleuvres qui marient sous lien, par une pièce rapport pour avec médecine. Mais qu'on a posé une question, qui j'en lien bâton avec deux serpents ça pour le faire avec médecine? Relax. Dans les 1800, il y a un citoyen qui a fait un livre médical. Comment vous avez pris quelques livres? Qui ça fait? Il prend symbole qui a dit c'est Hermès là, symbole avec deux serpents, il plaque elle sous deux livres li yo. Pas oublier dans l'époque ça, pas tellement imprimerie que ça dans le monde. Livre pas tout côté que ça. Donc chaque fois vous achetez un livre médecine, ou après symbole qui a dit c'est Hermès là sous lit dans l'époque ça. Et là, bien rapide, lien entre qui a dit c'est Hermès là avec médecine là, vient fait. C'est ça fait tout partout, dans tout ça qui vient pour avec médecine, ou un symbole d'Hermès, yon bâton à deux couleuvres. Marré sous lit. Mais en réalité, c'est pas symbole ça qui symbole médecine. Et si médecin ou pas, j'aime dire nous ça, et bien je dis à faut que nous connaissons. Vrai symbole médecine, c'est ça. L'irélé, baguette d'Esculape ou bien bâton d'Asclepios. Donc, Napouel, c'est yon bâton avec yon seul serpent qui enveloppe. Pour qui ça me dit c'est lui qui symbole médecine là, et bien nous pral comprendre. Esculape là, c'est dieu romain de la médecine. Grec yo tout gen même dieu médecine ça tout mais yo rele Asclepios qui donc dieu de la médecine nan li rele Esculape ou bien Asclepios et sous temps de dieu de la médecine et mais c'est dieu ça qui t'a marché fait guérison dans toute cité Athènes dans Grèce avec dans toute Rome antique et nous doit connaître dans Grèce yo t'ai bâti un lieu sacré pour Asclepios qui t'ai trouvé le tout près en source et en pile monde qui t'ai malade yo t'ai toujours quoi depuis al dormi dans espace ça y a guéri et c'était chaque jour en pile monde al visiter al porter pile cadeau mettre dans pied Asclepios puis yo ka guéri. Et tout à l'heure, tout temps ça a été toujours qu'on a rencontré un pile serpent. Yo te rele serpent ça au serpent saint, serpent qui te connait marcher avec Dieu Asclepios. Et un pile monde qui te connait visiter yo, yo te connait en endormi Asclepios qui vient visiter yo avec un bâton dans main et puis un serpent maré là-dedans. Donc là, on a comprendre pour qui ça c'est symbole ça avec un seul serpent sous lien qui c'est symbole médecine. Et d'ailleurs, c'est nos Asclepios ça, dieu médecine ça, yo cité dans serment d'Hippocrate qui c'est serment tout médecin fait les a gradué. Dans pile l'école médecine, yo vienne modifier, mais original la partie comme ça. Je jure par Apollon médecin, par Asclepios, par Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai suivant mes forces
tralala, tralala, tralala. Donc c'est Dieu ça yo, médecin ou te kon évoqué li a prêté serment dans question médecine. Et c'est symbole ça tout, dans première assemblée générale Nations Unies sous question médecine en 1948, yo pral choisi comme symbole officiel médecine là, yon bâton ak yon serpent enroulé sous li. Ou ka pose question tout, pour qui ça c'est bâton ak deux serpents, nous toujours jusqu'à présent en pile côté nous visiter qui gen rapport avec médecine. Eh bien, réponse là simple, c'est une question marketing. Dans l'année 80, yon gen étude qui te fait sous ça et yon te jouen organisation professionnelle dans question médecine yo, yon plus utilisé baguette d'esculape là, qui donc vrai symbole là ak yon seul serpent, tandis que toute organisation commerciale yo, l'hôpital, clinique, yon plus utilisé caduce d'Hermès là, qui c'est bâton ak deux serpents, qui c'est symbole commerce ak question communication. Donc si vous gon médecin ki zanmi ou, nan machine ni, wap facile wè se symbole ça. Yon bâton ak deux serpents enroulé. Donc c'est parce que li pi facile pour comprendre monsieur c'est médecin, parce que c'est ça ou toujours wè. Et l'autre raison qui pral faire symbole ça ou utilisé en pile tout, c'est avec États-Unis, parce que aux États-Unis, c'est li yo utilisé en pile. En 1856, c'est li même qui t'a pral symbole US Marine Hospital Service. En 1871, c'est li même qui t'a pral symbole Public Health Service, même si nous avons une organisation tankou American Medical Association qui t'a pral di li même c'est un vrai symbole là pour yo yé, qui c'est baguette d'esculape avec un seul serpent. Pour question signification, il y a un pile signification au bas symbole ça suivant domaine. Yo ka di ou, baguette la li symbolise arbre de la vie, serpent c'est médicament. Ah, il y a un pile. Pendant la parler de symbole ça couleur ça pour chrétien yo, pour musulman yo, pour juif yo, li gen rapport ak Moïse, pas oublier Moïse ça, il existe dans trois religions ça yo. Et nous connaissons très bien dans le livre sacré chrétien qui c'est la Bible, nous songeons Moïse qui était dans le désert avec peuple Israël là, qui était venu désobéir bon Dieu, qui tombait dans fait chawa. Et bien gon l'appli serpent qui tombait tombé mort des mounyo et là bon Dieu pour dire Moïse fait un serpent de rein et puis mettez-le sous un bois depuis mounyo gardel, y a guéri. Gain interprétation ça tout dans question symbole médecine. Nous sorti dans médecine. Qu'on y a en fait un petit coup de pied dans justice. Nous tout connait symbole ça yo. Si vous pas jamais mandé avocat ou bien juge qui ses amis là pour qui ça symbole ça là et aujourd'hui on va le dire. En partie avec ça, yon fille j'ai bandé ak yon balance et puis yon couteau nan men. Fils an ap gade ya la ki se symbole justice la, li se yon déesse ki donc yon dieu fi. Yon rele le Thémis nan mythologie grecque et puis justicia nan mythologie romaine. Thémis sa, se déesse de la justice. Ou te ka compare Thémis sa ki se déesse de la justice pour grec yo pour romain yo avec Grand Brigitte qui c'est déesse de la justice ou dans mythologie vaudou. Si nous regardons bien dans Thémis, nous avons une balance. Balance qui toujours dans toute sa gien pour avec doigt. Et balance ça, il n'est pas compliqué pour nous comprendre. C'est symbole équilibre, équitabilité, tout ça qui est exact. Qui donc, justice là, il n'est pas doué dans pencher, dans pièce bon. Balance ça, nous, là, il sorti juste en Égypte. C'était Dieu égyptien Anubis qui était utilisé pour te peser dans le monde qui mouille contre plume vérité. Pour le cas décider sous sort. Et c'est balance ça, monsieur grec qui a dit, faut qu'il représente justice là. L'autre symbole nous avons mis Thémis encore, c'est épée ça. Forme épée ça, il y aurait le glaive. A glaive ça, un des papadap ou un tripou à balancer. Monsieur pral fourre la justice là, il représente force, sanction et puissance. Et c'est ça que fait, nous avons parlé de bras armés de la justice, le glaive de la justice. Et si nous regardons bien, nous avons jeté Thémis bandé. Parce que vous dites justice là, pas de nan parti pris. Et c'est empereur Auguste qui pral plaquer Thémis ça comme symbole justice là. Et dernier ça nous connait dans justice là encore, c'est marteau ça. Yo relel marteau du président. Monsieur anglais relel gavel. Pratique utilisation marteau ça, c'était dans franc-maçonnerie ou des plus joigné. Et c'est John Adams, deuxième président américain, qui t'a pas utilisé marteau ça en 1789 pour te mettre l'ordre dans premier sénat aux États-Unis. Sénat c'était un espace qui était large. Dans l'époque ça, pas de gain micro, pas de gain speaker, mais c'est marteau ça ont été utilisé pour te frapper pour débat ouvri et frapper le bout du débat fermé. Et ensuite, c'est dans le tribunal aux États-Unis nous allons rencontrer le marteau du président. Quand le juge prend la parole, il frappe et puis il prend décision.
c'est fini. Et nous deux qu'on est dans un pilote pays, tant que la France, ils ont pas utilisé marteau du président, ils ont utilisé plutôt ils ont cloche. Et je dis à quelque côté de la France, c'est une sonnette ils utilisent de préférence. Et pour Haïti, bon nous connaissons un mode copier nous grimper, nous aller aux États-Unis, nous prenons marteau, et nous font petit coup de pied en France, nous prenons cloche là. C'est ça que fait. Dans l'espace justice nous on a pu nous utiliser tous les deux symboles ça. Un côté nous avons utilisé cloche là, un côté nous avons marteau. Carrément, voilà pour explication sous question symbole métier ça. Mais j'espère vraiment nous t'ai enjoy cette explication ça. Donc n'oubliez pas la pour vidéo pas trop long. Donc n'a croiser une autre fois. On vit belle vidéo. Peace.